Frères et sœurs en Christ, bonjour. Ce matin, j'aimerais partager avec vous le thème de la sanctification. Un thème qui est d'actualité, un thème sur lequel beaucoup de grands prédicateurs ont déjà prêché. Mais c'est un thème qui me tient à cœur, j'aimerais aussi le partager avec vous. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est un grand prédicateur qui est venu à l'église pour faire son exposé. Arrivé à l'église, il est venu avec sa tablette pour le connecter et diffuser les versets bibliques. Malheureusement, au lieu des versets bibliques, c'est le porno qui est sorti devant des milliers de fidèles. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer l'atmosphère en ce moment-là. Quand des choses comme ça arrivent, c'est que Dieu confond la personne qui se fait passer pour un homme de Dieu, qui se fait passer pour un homme saint, alors qu'il ne l'est pas en réalité. C'est un homme faux, puisqu'il est venu mélanger Dieu à ses sales besognes. Tout est mélangé dans sa vie, sa tête est mélangée, son cœur est mélangé, son corps est mélangé, son portable est mélangé, son ordinateur est mélangé. Mais il veut faire croire qu'il est saint. Je pense qu'il y a beaucoup de cas comme ça au milieu de nous. On veut être les premiers à l'église. On veut montrer au monde qu'on est les meilleurs chrétiens. On veut toujours rester à la première place. On veut toujours rester devant. Mais au fond, devant Dieu, nous ne sommes rien. On est dans un monde où on ne peut même pas donner notre portable à nos propres enfants. Aujourd'hui, c'est difficile de donner son téléphone à sa femme ou à son mari parce qu'on a peur de ce qu'il y a dedans. Même à ta propre femme, tu ne peux pas lui laisser ton téléphone 5 minutes. Tu sais pourquoi? Et tu sais qui tu es en réalité. Dis-moi ce que tu as dans ton portable et je te dirai qui tu es. Si ce que je dis est faux, donne ton portable à ton fils et dis-lui de fouiller ton portable ou donne-le à ta femme ou à ton mari pour qu'il puisse le fouiller. Beaucoup ne peuvent pas faire cela parce qu'ils ont peur. Sur ce portable, il y a la Bible. Dans le même portable, il y a la pornographie. Dedans, il y a la prostitution. Il y a des copains, des copines, des bureaux. Tout est dedans et on mélange aussi Dieu. Vous imaginez, c'est avec ce même portable qu'on va à l'église pour adorer le Seigneur. Mais toi qui m'écoutes en ce moment, si tu estimes que ce que je dis est vrai, alors arrête ça. Arrête ça sur le champ. Commence à nettoyer ton téléphone, commence à nettoyer ton ordinateur. De la même façon que tu vas nettoyer ton portable, tu vas nettoyer tes pensées. Tu vas nettoyer ton cœur, tu vas nettoyer ton corps, tu vas nettoyer ta vie, tu vas nettoyer ton répertoire d'amis. Je dis bien ton répertoire d'amis parce que souvent, nous avons certains amis qui aiment nous envoyer des pornos. Ils aiment nous envoyer de petites images de femmes ou d'hommes. Nous avons certains amis qui prennent vraiment plaisir à nous envoyer des insanités. Et oui, tu vas commencer à nettoyer ton répertoire d'amis. On dira alors, tu commences à te sanctifier. La sanctification veut dire simplement séparer. C'est-à-dire séparer les choses du monde avec les choses de Dieu. Tu vas distinguer ton Dieu. C'est ça la sanctification. La sanctification, ce n'est pas une cérémonie. Il y a des gens qui pensent que se sanctifier, c'est de prendre un bain, ou d'aller à la rivière, ou d'utiliser un bon savon pour se laver. C'est bien, c'est la base. Mais je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de la vraie sanctification. La sanctification de l'âme. Si nous mélangeons les choses souillées avec les choses de Dieu, nous allons attirer la malédiction, nous allons attirer la colère de Dieu. Quand nous profanons les choses saintes, ça veut dire que nous manquons de respect à notre Dieu. Nous ne devons pas mélanger Dieu avec nos mauvaises pensées. Nous ne devons pas mélanger Dieu avec nos sales besoins. Notre Dieu n'aime pas qu'on le mélange avec les autres choses. Il aime avoir sa place unique. Dieu est saint. La sainteté ne se mélange pas avec les choses qui ne sont pas saintes. Il nous demande, à nous qui sommes ses enfants, d'être saints, c'est-à-dire d'être à sa ressemblance. Dieu ne se mélange pas. Un enfant de Dieu ne parle pas n'importe comment. Il ne s'habille pas n'importe comment. Il ne fait pas n'importe quoi. Si nous ne voulons pas que Dieu nous confonde,
Alors arrêtons de le mélanger avec nos mauvaises pensées, nos mauvais comportements. Si toi aussi, tu veux demeurer dans la sainteté, commence à changer ton comportement. Dieu veut que nous soyons saints. 1 Pierre 1, verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Mais si vous voulez être malsain, vous êtes libre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de blasphémateurs qui, même en couchant avec leur partenaire, citent le nom de Dieu. Dans tout ce qu'ils font, ils citent le nom de Dieu. Mais Matthieu 12, verset 31 nous dit, c'est pourquoi, je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le péché contre l'esprit ne sera point pardonné. On ne blasphème pas le nom de Dieu. On ne souille pas le nom de Dieu. Dieu est distingué à une sainteté extrême. Quand on met Dieu dans le même portable que les choses de ce monde, c'est-à-dire sur nos téléphones, vous savez qu'il y a des fichiers. Chacun de nous, on a un fichier codé. Sur ce fichier, tu as l'adoration, tu as la louange, tu as la musique du monde, tu as des pornos, tu as tout. Dieu n'aime pas ça. Ne profanons pas le nom de notre Dieu. À force de te souiller, tu vas atteindre ton âme. Ça peut aussi atteindre ton esprit. Tu te dis, ce n'est pas grave, c'est juste une pensée. C'est une fois en passant, mais c'est une pensée malsaine. Il y a 15 ans de cela, si quelqu'un me disait que j'allais exhorter sur la sanctification, j'allais dire non. Parce que comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, je me disais, ma vie m'appartient. Ma vie ne regarde que moi. Je n'ai pas de compte à rendre à quiconque. Je n'ai pas à m'expliquer auprès de quiconque. Mais le jour où j'ai lu 1 Corinthiens 6, verset 19, qui dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Waouh ! Pendant des heures, j'ai coulé des larmes. Parce que je me disais à l'époque, je suis jeune, j'ai toute ma vie devant moi. Je suis jeune, je peux avoir des copains. Je suis jeune, quand je serai grande, je trouverai un mari. Mais pendant tout ce temps, je suis en train de gâcher le temple du Saint-Esprit. Je suis en train de détruire ma vie. Je suis en train de gâcher ma vie. J'ai fait des rémissions des péchés. Pendant des jours, j'ai fait des rémissions des péchés. J'ai pleuré. J'ai lu le psaume 51 fatigué. Mais surtout, j'ai décidé de changer de vie. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus. J'ai décidé de faire de mon corps le temple du Saint-Esprit. Et je peux vous assurer, depuis que j'ai pris cette décision, j'ai vu un changement radical dans ma vie. Depuis que j'ai décidé de demeurer dans la sanctification, j'ai vu un changement dans ma manière de faire. Car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Alors toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, si tu n'as pas encore mis ta vie dans les règles, prends ce message comme un avertissement. Prends ce message comme un appel à la repentance. Prends ce message comme une chance que Dieu te donne pour changer de vie. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que le peu que nous avons écouté en ce moment puisse nous apporter un changement. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, c'est votre sœur Anna Tekogabelus.